Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui, j'en profite, je suis en train de tailler ma vigne puisque je commence à voir qu'il y a des fruits qui se créent. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais. Tout de suite. Alors comme vous pouvez le constater, je reviens là d'abord. Ici, j'ai ma petite floraison et on a les fruits. Ouf! Qui sont en train de se former. Et donc l'action que je vais faire aujourd'hui en fait, c'est d'enlever toutes ces branches qui grandissent et qui sont un petit peu des tire-sèves pour la fructification. Allez, on se met en action. Donc c'est très simple, je repère une zone où il y a les premières grappes. Je viens tailler jusqu'au-dessus. Voilà. Alors, en plus d'enlever toute la sève que va tirer le morceau que j'ai enlevé, je vais faire de la lumière à mon raisin. Et donc, il va pouvoir mûrir plus facilement et donc prendre le soleil et se sucrer correctement. Donc ici, moi, j'ai une variété, c'est Chasse-la-Dorée. Je vous rappelle, j'habite en Sud-Sarthe, donc entre Tours et Le Mans. Et donc on n'a pas tous le climat identique partout. Alors peut-être qu'en Normandie, vous le ferez dans une semaine ou 15 jours. Peut-être qu'au sud du lieu où j'habite, peut-être qu'à Tours, il fallait le faire il y a une quinzaine de jours, voire 3 semaines. Mais sinon, respectez cette chose-là. Alors moi, c'est ma façon de faire, hein. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Hein. Mais moi, ça marche. Alors, tous les ans, j'ai une petite récolte, vous voyez, de raisins. Donc, je vais le faire vite fait, je vous montre à la fin ce que ça donne. Tout de suite. Alors voilà le résultat, une fois fini. Donc j'ai à peu près éliminé facilement 50% de la vigne, mais au moins, quand je m'approche, mes zones de fruits, donc mes grappes, vont pouvoir prendre le soleil. Et surtout, le fait d'avoir enlevé beaucoup de tire-sève, comme je vais appeler ceci, va permettre donc à toutes ces grappes de se développer, d'avoir donc des raisins le meilleur possible. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Moi, c'est comme ça que je fais. Alors, perso, j'aurais peut-être dû dégager déjà depuis une quinzaine de jours. Parce qu'ils étaient déjà assez longs quand même, ces tire-sèves. Mais là, mieux vaut tard que jamais. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous avez le droit aussi de vous abonner. Je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Donc la petite vidéo quasiment en live pour vous faire partager mes activités. A bientôt.